peut tomber. Et ce super fish, il vient d'arriver. Et je vais passer la nuit au milieu de l'eau. En espérant en faire d'autres. Parce que là, on commence bien. Ah, cette bouche. Ah, c'est fabuleux. Un poisson comme ça, c'est génial. Allez, on va la remettre à l'eau tranquille. Comme je pense que vous pourrez vous constater, je suis au milieu de l'eau en fait. Les berges, il n'y a pas de poste, il n'y a pas d'endroit où se poser, donc j'ai décidé de me poser sur l'eau. Voilà. Il y a très peu d'eau à cet endroit-là et comme ça, au moins ça me permet de pêcher la zone où la semaine dernière j'avais filmé énormément de poissons. On va passer la nuit là, en espérant que le niveau de l'eau ne monte pas dans la nuit, sinon je serais un peu emmerdé. Mais logiquement, il ne prévoit pas de pluie ni d'orage pour cette nuit, donc on va passer la nuit à la belle étoile, en espérant toucher d'autres poissons. Voilà, on est là, on profite. Après la prise de ce premier poisson, plus aucune activité, à part une éclosion en pleine nuit qui m'empêchera de dormir, et au petit matin la pluie, une pluie battante. Les poissons qui sont rentrés en frais, il est temps de changer de secteur. J'ai vu quelques poissons qui se nourrissaient en marge de la fraye, je vais essayer d'aller les tenter. Thank you.
Malheureusement, je vais décrocher ce poisson et c'est là que mon 24 heures se termine. En espérant que ça vous ait plu. Et pensez à vous abonner et liker, ça fait plaisir, c'est la récompense.